Donc nous allons maintenant écouter Mélinée Casparian-Lefèvre. Donc elle est doctorante en littérature américaine à l'Université Bordeaux-Montaigne. Ses recherches de thèse portent sur l'écriture de la nourriture dans les œuvres de Pat Mora, Anna Castillo et Sandra Cineros. Elle a publié un chapitre dans l'ouvrage collectif intitulé « Consumption and the Literary Cookbook » édité par Roxanne Hard et Janet Wesleyus. Donc, Mélinée, c'est à vous. Merci, merci beaucoup Nina et aussi Aurélien pour toute votre aide. Ma présentation s'intitule « When you go to bed hungry, you never forget it », l'écriture politique et sentimentale de la faim chez Anna Castillo. Et je voulais commencer par une citation de Rudolfo Anaya, un écrivain chicano qui définissait l'écriture comme une arme pour combattre les injustices, la pauvreté et la faim. « Art can be a catalyst and a force to assault ignorance and discrimination and poverty and hunger. » Cette volonté d'utiliser l'art pour combattre les inégalités fut au cœur du mouvement chicano des années 60, un mouvement de revendication sociale et politique, porté par les Chicanos, les descendants des habitants des terres mexicaines qui furent annexés par les États-Unis en 1848. La faim fut à la fois un enjeu central et une arme politique du combat chicano, à travers notamment les grèves de la faim menées par César Chavez, mais aussi à travers une littérature de la faim qui a représenté et dénoncé la marginalisation économique subie par les Chicanos. Et donc c'est ce qu'explique Nieves Pascual Soler. « Hunger was central to the emergence of Chicano national culture ». Des auteurs comme Anaya, mais aussi comme Tomas Rivera, ont instauré une tradition d'écriture politique au sujet de la pauvreté et de la faim, qui se prolonge dans les œuvres des auteurs Chicana, qui ont commencé à être reconnus à partir des années 80. Et qui continue d'évoquer ce thème de la pauvreté et de la faim dans une écriture très politique et polémique que je voulais explorer à partir de l'exemple de la poétesse Anna Castillo. Anna Castillo a elle-même fait l'expérience de l'insécurité alimentaire, à la fois pendant son enfance et plus tard quand elle était une mère célibataire et dépendante des aides sociales, ce qu'elle raconte dans son autobiographie « Black Dove ». Où elle dit « Sometimes you hear people speak of their impoverished childhoods and they say we didn't know we were poor. I think they only mean they felt secure in the love they had from family because when you go to bed hungry, you never forget it. » Expérience inoubliable, la faim constitue un thème majeur de l'écriture de Castillo qui est clairement ancré dans l'expérience de l'appartenance à une classe ouvrière comme elle le décrit dans son recueil « Watercolor Women ». I come from people who still think of success as having enough to eat. L'expérience de la faim semble laisser une trace indélébile pour elle, un héritage en négatif qui traverse les générations et qui marque donc l'écriture de Castillo. Castillo utilise parfois la faim comme métaphore, mais elle évoque surtout la faim en tant que réalité matérielle. Et j'explorais cette écriture de la faim à partir de deux de ses poèmes, Recipes for a Welfare Mother et « Dear Pope, Open Letter from the Americas », tous deux tirés du recueil « Ask the Impossible ». Ces deux poèmes prolongent la tradition d'écriture dénonciatrice de la pauvreté associée aux auteurs chicanos, et ils proposent aussi une perspective féminine et féministe sur cette expérience de la précarité et de la faim, en mettant en avant l'expérience des femmes, et plus précisément des mères qui sont confrontées à la précarité, mais aussi à l'impératif culturel de nourrir les autres, et de nourrir la famille en particulier. Ces deux poèmes explorent l'expérience de la faim pour des sujets féminins relationnels, qui portent une responsabilité envers les autres qui devient particulièrement lourde dans le contexte de la précarité. Ce contexte complique la possibilité pour ces femmes de prendre soin des autres et de nourrir leur famille, entraînant des sacrifices et un travail supplémentaire. L'écriture de la faim proposée par Castillo dans ces deux poèmes est, à mon avis, marquée par la relationnalité. La faim y est présentée comme le résultat de relations de pouvoir et d'inégalité qui menacent ensuite les liens affectifs des personnes marginalisées, qui sont confrontées à la vulnérabilité qui découle de la pauvreté. L'écriture de la faim de ces deux poèmes est aussi une écriture qui met en jeu une relation particulière au lecteur, à travers une dimension très persuasive et polémique. Et je relirai ces deux poèmes aux food studies, aux théories du care et à la littérature sentimentale pour essayer de montrer
comment Castillo propose une écriture relationnelle de la fin qui a une fonction dénonciatrice et persuasive. Selon Alison Caruth, les textes littéraires proposent souvent des explorations particulièrement riches du système alimentaire moderne. Je la cite, « Across genres, literature is a vehicle attuned to the modern food system due to the capacity of imaginative texts to shuttle between social and interpersonal registers and between symbolic and embodied experiences of power. » Comme l'explique ici Caruth, l'écriture littéraire dialogue entre le politique et l'intime, ce qui lui permet d'évoquer la manière dont les inégalités et les relations de pouvoir se traduisent dans les assiettes et dans les corps. Cette idée d'un texte littéraire qui à la fois dénonce les injustices alimentaires et représente les conséquences des inégalités dans le corps s'applique très bien à Anna Castillo, qui présente la faim comme une manifestation d'un système alimentaire capitaliste et néolibéral qui crée des vulnérabilités et des laissés pour compte. Dans ce contexte, l'alimentation devient vraiment mortifère pour des personnes marginalisées économiquement qui n'ont pas accès à une alimentation de qualité, comme par exemple la mère précaire qui est au centre du poème « Recipes for a Welfare Mother » que je vais lire. « Cornbread, flour, water, mix, bake 3 times a day, beans, pinto, red, black or white, add water, soak overnight, make enough to last all week, grilled cheese sandwich with government cheese product, skip grill if there is not bread. Always use lard, white sugar, have Coca-Cola and powdered donuts on hand. They'll make your breasts hang, send you posterior out to Canada, your gut to the Mexican border if cancer doesn't get you first, your children and aging mother. Mix AIDS virus, hepatitis B, tuberculosis, impurities as a result of a malfunctioning kidney into your bloodstream. Dissipate slowly. You can stay home or work for minimum wage, your diet will stay the same. You will climb the same dirty stairs, drink contaminated tap water, sit in the same stained tub, bathe with laundry soap, be hot in summer, freeze in winter, until your heart explodes one night in your sleep like an illegal firecracker, merengue music playing on next door. No one will have heard it. Donc ce poème de Castillo reflète la stratification sociale du système alimentaire, la manière dont la précarité conduit à l'impossibilité d'accéder à une alimentation variée et de qualité, ce qui en retour crée des inégalités de santé. Castillo fait le lien entre ces inégalités alimentaires et sanitaires et une politique néolibérale qui fait passer le profit avant les vies et qui fabrique de l'insécurité alimentaire. Le poème évoque ce que le géographe Josué de Castro avait appelé une faim occulte, c'est-à-dire une forme de faim nutritionnelle qui naît de la consommation d'aliments ultra transformés et du manque d'accès à une alimentation variée. De Castro avait suggéré à quel point la faim occulte était le résultat d'une distribution inégalitaire des ressources et non pas d'un manque de ressources, et donc de ce qu'il appelait une politique de la faim, plutôt qu'une politique de l'abondance. De même, Castillo suggère que l'insécurité alimentaire vécue par des personnes marginalisées est le résultat de prises de décisions politiques. La faim est reliée dans le poème à un contexte institutionnel, politique et gouvernemental, à travers le renvoi aux aides sociales, notamment ici avec le Government Cheese Product qui était distribué avec les aides sociales, et aussi à travers la référence au Canada, au Mexique et aux États-Unis, qui combinée à ce renvoi aux maladies liées à l'alimentation et aux aliments industriels peut faire penser au traité NAFTA signé en 1993, qui favorisa l'adoption de ces produits alimentaires ultra transformés, notamment par la population mexicaine. Le poème pourrait alors se lire comme une dénonciation des effets destructeurs des politiques néolibérales comme ce traité. Ce qui est aussi intéressant particulièrement dans ce poème, c'est la manière dont Castillo utilise le genre de la recette et ses codes pour dénoncer ces conditions socio-économiques qui conduisent à l'insécurité alimentaire et pour présenter la faim occulte comme une manifestation incarnée des injustices du système néolibéral. Le poème utilise d'abord le ton de l'impératif, caractéristique de la recette, pour insister sur le manque de possibilités qui s'offrent à la mère précaire au centre du poème. Cette mère ne peut faire autrement, semble-t-il, que d'obéir aux instructions de la recette, qui mène non pas à réaliser des plats délicieux, mais simplement à la survie. La contrainte qui pèse sur cette mère est représentée par cette voix autoritaire qui semble lui dicter ce qu'elle doit faire
et qui traduit le manque d'issue pour cette femme en l'absence d'un changement structurel. Toute l'ingéniosité du monde ne sert à rien sans ressources, et le nombre de plats que cette femme peut cuisiner reste très limité, de même que ses options sont limitées. L'usage de l'impératif permet alors de traduire la dimension contrainte de l'alimentation pour les personnes les plus précaires, la manière dont les détails de leur vie sont déterminés par des conditions structurelles. Le poème puise aussi dans le vocabulaire du mélange et de l'incorporation qui est présent dans de nombreuses recettes, notamment à travers ce verbe « mix » et le renvoi à des impuretés qui se dissipent. Elle évoque ainsi la manière dont des inégalités structurelles conduisent à des effets très tangibles sur les corps, notamment du fait des maladies nutritionnelles qui découlent d'un manque d'accès à une alimentation de qualité. Dans le poème, les impuretés contenues dans le sang de ces corps rendus malades sont décrits par des termes empruntés au vocabulaire de la recette, mix, et rappellent ainsi les grumeaux qui peuvent se former lors d'une préparation culinaire. Si le genre de la recette encourage habituellement le lecteur à créer un plat délicieux, dont la consommation sera source de plaisir, ici ce qui est consommé et dévoré, ce sont les corps de ces personnes précaires, usés et abîmés par une vie de travail et par le manque de ressources économiques. Ce poème serait alors une sorte d'anti-recette qui ne sert pas à allécher le lecteur, mais à montrer comment l'expérience de la pauvreté s'inscrit dans la chair des personnes les plus marginalisées. Cette expérience intime de la précarité est aussi rendue dans le poème par un jeu avec deux éléments de la recette, la liste d'ingrédients et les temps de cuisson. Dans le poème, ces éléments ne font que révéler le manque de variété qui caractérise l'alimentation des personnes les plus précaires, condamnées à utiliser des déclinaisons des mêmes ingrédients. Ici, la seule variété dans les ingrédients étant la couleur des haricots. Et ils sont condamnés ainsi à manger les mêmes plats inlassablement. La recette ne précise donc pas un temps de cuisson, mais une répétition, « bake 3 times a day », insistant ainsi sur la monotonie causée par la précarité, qui est aussi une forme de manque qui s'ajoute au manque économique et qui témoigne de l'expérience subjective accompagnant l'expérience de la précarité. Alors, pour Sandra Logier, la littérature du Caire serait une littérature qui donne vie et place à toutes sortes de catégories sociales négligées par l'histoire et la politique, toutes les petites gens ou vies minuscules. Ce poème de Castillo correspond à cette littérature en résonance avec la pensée du Caire, qui, comme l'écrit Fabienne Brugère, remet en cause l'ordre individualiste quand il aboutit à l'oubli des plus faibles, des plus pauvres, des plus vulnérables. Avec ce poème qui met en avant l'expérience intime de la précarité, Castillo propose une écriture très proche de cette conception de la littérature qu'est la littérature care, une littérature fondée sur une volonté d'écoute, l'attention à la détresse de l'autre et le désir de la porter vers l'espace public, la publier, l'accompagner à la visibilité, imposer sa présence, la rendre incontournable, sans pour autant en faire un ambivalent objet de voyeurisme, pour citer Lambert Barthélémy. On retrouve dans les poèmes de Castillo, à mon avis, cette volonté d'accompagner à la visibilité une détresse invisible. L'écriture de la fin que propose Castillo évoque le lien de cause à effet, donc entre la fin et des systèmes politiques, mais c'est aussi une écriture relationnelle au sens où elle insiste sur la façon dont la fin affecte des relations, en particulier familiales. Par exemple, dans le poème « Dear Pope, Open Letters from the Americas », Castillo évoque les choix difficiles auxquels font face les femmes qui peinent à trouver de quoi nourrir leur famille, en demandant au pape si certaines de ces femmes qui choisissent de se prostituer vont être condamnées par l'Église. Je cite « Is there forgiveness for the adolescents in Juarez for prostitution when toiling in maquilas was not enough to feed their families and they are found dead in garbage dumps, cheap panties stuffed into their mouth? How many candidates for beatification would you have if all those girls said no, I'd rather die, let my mother die, my father, my baby starve. I will not give up my virtue for the sake of beans and a pound of cornmeal. I will stay faithful to my church no matter what. » Pour évoquer ce poème, j'aimerais parler du concept d'empathie narrative proposé par Susan Keane, qui suggère que certains textes littéraires sont particulièrement marqués par l'empathie, à la fois lors de la production et de la réception. Qu'elle écrit « Narrative empathy plays a role in the aesthetics of production when authors experience it, in mental stimulation during reading, in the aesthetics of reception when readers experience it, and in the narrative poetics of text when formal strategy is invited. »
Ce poème de Cassio pourrait relever d'une telle empathie narrative ou plutôt poétique, tant il encourage le lecteur à s'imaginer l'expérience subjective des femmes qu'il évoque, face à la menace de la faim pour elles, mais aussi pour leur famille. Ce poème évoque la ville de Juarez au Mexique, où ont été commis des féminicides en masse, dont la majorité des victimes sont des femmes pauvres, et c'est ce que Cassio met en valeur dans ce poème, qui combat aussi les discours qui condamnaient ces victimes en suggérant qu'elles n'auraient pas dû se prostituer ou qu'elles auraient eu des comportements inappropriés. Oui, et je renvoie ici Jules Falquet et Marie-France Labrègue à ce sujet. Cassio propose un contre-discours au sujet de ces victimes, un discours qui combat de telles affirmations qui venaient discréditer ces femmes, dans un poème qui rappelle, à mon avis, l'éthique du care. La pensée du care, qui s'est développée aux États-Unis à la suite des travaux de Carol Gilligan, insiste sur l'importance, au sein du raisonnement moral, de prendre en compte le contexte relationnel au sein duquel s'effectuent certaines décisions, au lieu d'appliquer des principes universels. Cette pensée morale s'ancre dans la conception d'un soi interdépendant, ancré dans une situation, en proie à des choix que l'on ne saurait déterminer a priori par des préceptes. Au sein de ce contexte, les relations à l'autre sont déterminantes, et bien agir, je cite, bien agir consiste à percevoir et à répondre aux responsabilités qui naissent de nos relations avec les autres et à maintenir le réseau de relations dans lequel on s'inscrit. Et c'est précisément ceci que font les femmes évoquées par Cassio dans son poème, qui insiste sur le fait que leur décision de désobéir aux préceptes de l'Église est guidée par la volonté de préserver la vie de leurs proches. À l'opposé du raisonnement proposé par l'Église, qui consiste dans l'application de principes généraux, le poème de Castillo évoque la nécessité de prendre en compte la situation relationnelle de ces femmes qui se prostituent pour préserver leur vie et celle de leurs proches. Si la sainteté telle qu'elle est définie par l'Église implique une obéissance aveugle aux principes de la religion, Castillo suggère que le souci d'autrui est de préserver la vie qui pousse ces femmes à se prostituer plutôt que de laisser mourir leurs proches de faim a bien davantage de valeur. Dans le poème, ces femmes sont présentées comme des figures dignes qui pourraient relever d'un héroïsme du care selon la définition de Laura Marzi et Patricia Paperman, qui, je cite, explique que les héroïnes agissant pour le maintien de la vie proposent un autre exemple d'héroïsme, un héroïsme de genre, qui se caractérise en premier lieu non pas par un élan vers la mort, mais par un engagement pour la sauvegarde de la vie. Les femmes décrites par Cassio dans ce poème apparaissent bien comme des héroïnes du care, engagées pour la sauvegarde de vie menacées par la faim, tandis que leurs propres vies sont menacées non seulement par la précarité, mais aussi par la violence de genre. Et cette double vulnérabilité face à la faim et face à la violence de genre est incarnée dans le poème de manière très saisissante par l'image de la bouche. Ici, la faim peut faire penser à une bouche vide, qui ici est remplacée par une bouche remplie des victimes bâillonnées avec leurs propres sous-vêtements. Ce détail témoigne aussi de la dimension très affective de ce poème, propre à susciter l'indignation face à la violence et à l'abandon subi par ces femmes, et propre à créer aussi de l'empathie. En insistant sur le dilemme auquel faisaient face ces femmes, sur les liens de famille menacés par la faim, et sur la figure de l'enfant affamé, le poème peut faire penser à la tradition de la littérature sentimentale du XIXe siècle, une littérature qui visait à créer un changement social par la littérature. Je cite « Sentimentalism has demanded and created social change through stimulating feelings on behalf of victims of injustice ». Les textes sentimentaux se caractérisaient par une volonté de créer l'empathie et la compassion du lecteur envers les personnages, ainsi qu'une indignation face à des injustices. Le poème de Castillo, par son appel à l'empathie et à la compassion, par l'interpellation du lecteur à travers des questions rhétoriques, l'insistant sur la figure des mères et des enfants, sur la menace de la dissolution du lien de famille, semble très proche de ce mode sentimental. Jennifer Williamson a suggéré que ce mode sentimental, comme stratégie de persuasion et de dénonciation politique, réapparaît dans les textes du XXe siècle aux États-Unis chez des auteurs engagés politiquement. Et la poésie de Castillo pourrait alors constituer un autre exemple de ces survivances du mode sentimental au-delà du XIXe siècle. Donc pour conclure, ces deux poèmes de Castillo rendent hommage aux efforts des femmes les plus précaires pour continuer à prendre soin et à nourrir leurs êtres aimés malgré l'absence de ressources, tout en dénonçant le vide institutionnel et les inégalités qui conduisent ces femmes à devoir prendre en charge le care par un travail supplémentaire, qu'il s'agisse de cuisiner à partir de très peu d'ingrédients ou de se prostituer pour avoir de quoi manger. Ces poèmes témoignent de l'importance de la faim dans les textes de Castillo, à la fois en tant que réalité matérielle, sociale et politique, et en tant qu'outil de persuasion et de dénonciation politique.
À partir de l'estomac, Castillo cherche à mobiliser les cœurs et les esprits des lecteurs en faveur d'un changement social. Merci. Merci.